Alors la révolution russe a un grand impact, une grande pertinence pour moi. Depuis mes premières années comme militant politique, j'ai toujours été non seulement intrigué, mais fasciné par cette tentative de transformer le monde, mais aussi ses impacts positifs et négatifs. Bien sûr, au niveau positif, c'est l'inclusion de grandes masses de la population, la classe ouvrière, la paysannerie, dans une tentative de transformer la société. Du point de vue négatif, bien sûr, les erreurs qui ont été commises et comment tirer des leçons de ces erreurs-là pour inclure, si vous voulez, les façons de corriger cela à l'avenir dans une nouvelle tentative de transformer le monde. Pour moi, une des conséquences les plus importantes de la révolution russe a été l'inclusion dans la stratégie mondiale de lutte pour un monde meilleur de l'oppression des nations, la libération des nations opprimées, la lutte contre l'impérialisme. En d'autres termes, inclure dans une tentative de transformer le monde non seulement l'aspect de classe, mais aussi l'aspect des nations et l'aspect de la libération de toutes les opprimées, des formes d'oppression que nous subissons dans le système actuel.